tranquillou. Bon, on va faire mes petits achats, hein, comme vous voyez. Là, je suis à Ikea de Franconville. Hein. Bon, je vais rentrer et vous montrer. On va voir qui y a. Donc voilà, là, je suis dans l'escalator et on va vous montrer. Voilà, oh, il y a un petit, vous avez petit canapé comme ça, 89 €. Pas mal, hein, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place chez eux. Après, vous avez des salons comme ça, plein de salons. Vous avez un joli canapé, moi j'aime bien ce canapé. Il faut avoir un grand salon pour avoir ce canapé. Je sais pas, moi j'aime bien, même la couleur. J'aime bien. Moi je préfère acheter deux canapés différents, comme ça je peux les déplacer comme je veux. Vous voyez la cuisine avec le bar, elle est belle. Hein. Moi j'aurais voulu faire ça dans ma cuisine, mais c'est les standards. Moi j'ai pas eu la place pour faire ça. Voilà, tant pis. Très très belle cuisine. Voilà les meubles télé. Vous pouvez en mettre en haut et en bas. Ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas de place, ils prennent un grand meuble comme ça, ils mettent leur vaisselle, ils mettent tout leur truc. Ça vous sert de vaisseller en même temps. Voilà, c'est une bonne idée. Hein. Chez nous, vous avez des meubles comme ça. Regardez le bureau qui prend pas de place. Vous l'accrochez au mur. C'est pas mal avec deux tiroirs. C'est un gain de place. Sinon, vous avez une petite cuisine là. Voilà. Avec une petite buanderie. Hein. Voilà, voilà. 1 €. Faut vous dépoussiérer, les petits loups. Les petits fauteuils. Les grands fauteuils, on va dire. Vous avez le choix. Hein. Voilà, regardez le grand vaisselier avec les lampes là. Petite étagère pour les rangements, pour mettre les jouets, ce que vous voulez, dans une chambre d'enfant. C'est pas mal. C'est combien ça? On va regarder le prix. 229 €. Donc, vous avez une cuisine comme ça, regardez, elle est belle la cuisine. Les cuisines blanches sont très jolies. Moi j'aime bien. Ah oui, c'est ça que j'aime bien aussi. Ça, c'est un rangement pour mettre dans les chambres d'enfants, leurs jouets. Hein. Ça fait propre. Là, vous avez un petit meuble télé, hein, 160 €. Pas mal aussi. Il y a cette table aussi, hein, à 199 €. Table basse. Sinon, il y a les petites commodes comme ça aussi. 219 €. Hein. Vous mettez ça dans un couloir. Sinon, vous avez des étagères comme ça. Vous pouvez les mettre dans une salle de bain. C'est combien ça? 49 €. Après, vous avez des étagères comme ça. Bon, moi, je préfère le blanc. Hein. Comme celle-là. Elle est à 20 €. Non, 49 €. Plein de rangements, plein d'étagères, hein, comme vous voyez. Une petite bibliothèque blanche comme ça à 79 €. Elle est très jolie. Là, vous avez des chaises de bar, là. Ils sont à 40 €. Bon, et petit loup, il faudra des chaises de bar de à peu près de hauteur assise, 115 cm. Si vous connaissez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, parce que j'en cherche partout et j'en trouve pas. Parce que moi, c'est pas un bar que j'ai, c'est un comptoir. Donc, pour trouver les chaises de comptoir, c'est super dur. Voilà. Si vous connaissez des barres de comptoir de 110 cm, entre 110 et 115 cm, c'est ce qu'il me faudrait. Comme cela, c'est pas bon pour moi. Tout ce qui est comme ça, c'est pas bon. Regardez le nylon central, comment il est joli. Il est à 1109 €. Vous avez des placards. Et celui-là, comme nylon central, il est à combien? Je ne sais pas. Voilà, ça donne ça en gros, avec la lampe. Là, vous avez une belle cuisine blanche.
Là, vous avez des tapis de tiroir de 2,79€. Ça, c'est pas mal de mettre dans les tiroirs. Il y a combien de mètres là-dedans? Ou dans vos placards, hein, attendez. 1,50€. Les paniers pour mettre l'égouttoir, 6€ au lieu de 12. Un petit égouttoir comme ça, entre le gris ou noir. Voilà. Un petit dressing, hein. 465€. Bon, les petits loups, voilà. Là, je vais arrêter de filmer et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, il y a plein de choses. On passe par où, là? Voilà, voilà. Là, c'est les chambres à coucher. Sinon, je vais pas vous filmer tout, tout Ikea. Hein. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est chambres à coucher. Hein. Ouais, les petits loups, à tout à l'heure. Donc, les petits loups, voilà mes achats d'action. J'ai acheté cette étagère. Je l'ai montée, hein. Comme ça, vous pouvez la voir. J'ai acheté l'étagère, elle fait 35€. Voilà. Et j'ai acheté ça. Après, c'est moi qui ai voulu acheter gris et blanc. Je ne voulais pas acheter des couleurs vives parce que c'est comme je vais mettre un coin pour, dans le salon. Je ne voulais pas des couleurs vives. Donc, j'ai acheté du blanc. Ça, par contre, c'est 3€. J'en ai acheté deux. Ça fait 6€ les deux. Et j'ai acheté ça. Le grand, il fait 4€. J'en ai acheté deux. Voilà, pour mettre les jouets. Voilà, ça donne ça. Hein. Normalement, on met ça dans une chambre d'enfant avec des couleurs vives. Mais moi, je ne peux pas prendre des couleurs vives dans... vu que je vais mettre dans le salon. Voilà, donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté... Ah oui, je vais mettre les jouets. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en gros, voilà ce que ça donne. Quand il y a les jeux, hein, ça donne ça. Et au-dessus, on peut mettre des trucs. Hein. Bon, c'est toujours chargé, en gros. Hein. Il m'en faut une deuxième. Voilà, voilà les petits loups. Bon, Ikea, j'en ai pour 113,99€. Ensuite, j'ai acheté ça pour mettre sur les bouts de tringard et d'eau. Ça, ça coûte exactement 3€. Les deux, j'en ai pris 3. Ça m'a fait 9€. Après, j'ai pris ça pour... accrocher les tringards et d'eau. Ça, ça coûte... ça va coûter 4€... Attendez. 2,50€. J'en ai pris 6. Voilà. 6. Ensuite, j'ai pris... une bougie à 1,50€ à Ikea. Ensuite, j'ai pris des tringards et d'eau. 4,50€ celle-là. Et les plus petites, ils font 4. Non, celle-là, les plus petites font 4,50€, mais ils grandissent. Hein. Voilà, ça grandit. Ça grandit. On peut les rallonger, que je raconte. Et ceux-là, 5,50€, pareil, ils vont jusqu'à 3 mètres. J'en ai acheté 3. La troisième, je ne sais pas où elle est. Je viens de retrouver la troisième. Elle est là. Ensuite, j'ai acheté une étagère. Elle est où l'étagère? Pour une étagère à livres, on ne l'a pas encore montée. Hein. À plus de 25€. Après, un sac d'oignons à 2,50€. J'ai pris ça à... Ça, c'est un bois frais. Tortilla, les grandes tortillas, une à 10. 2€. 1,99€. Oui. Et ensuite, j'ai pris... la coca 1,50€, de l'ice tea c'était 1€ les deux, je les ai rangés, avec des tomates 1€ le kilo, c'est quoi ça, 1,59€ des bananes, non c'est des pommes c'est 1,99€, les bananes c'est 1,59€, voilà 1,59€, une salade 1€, hein, une salade. Voilà, coca 1,50€ et des mangues, 3 mangues, 1€ les 3 mangues. Hein. Voilà, 3 mangues 1€. Hein. Bon, la troisième elle est là. Hein.
et de l'ice tea, et voilà les petits loups. Donc les petits loups, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah likez, commentez, partagez. Bye bye les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne course!